Hii ni kwa ajili yako mama Olive Lembe. Kwa mazuri na uzidi kutenda. Tunakushukuru sana. Oh, twasema asante. Oh, kwa mama Olive Lembe. Kwa memu nayofanya. Kwa sisi wa Kongo mani. Mama. 2020 est entré dans les annales de l'histoire. Une année qui a tiré ses rideaux sur une série d'événements lugubres, douloureux, causés par la brusque apparition du coronavirus qui a déstabilisé les citoyens du monde. La République démocratique du Congo n'était pas en reste. Dans cette atmosphère miséreuse, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du chef de l'État honoraire et présidente de l'ASBEL Initiative Plus, a déployé une activité de grande envergure sociale. Mesdames et messieurs, bienvenue à la rétrospective de l'année 2020. Un retour sur 2020 dans un décor particulier. Nous sommes au CHIP, le Centre Hospitalier Initiative Plus. Un hôpital ultra-moderne bâti par le cœur de Marie-Olive Lembe Kabila, qui a bien voulu doter au cours de l'année 2020 la commune urbano-rurale de cet hôpital afin d'assurer l'égalité des chances d'accès aux soins de qualité à tous ses compatriotes. Nous y reviendrons au cours de cette rétrospective. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Comme de coutume, chaque 16 janvier en 2020, Marie-Olive Lembe Kabila a rendu hommage à son beau-père, le soldat du peuple Mzé Laurent-Désiré Kabila, lors de la commémoration des 19 ans depuis son assassinat. Un culte d'action des grâces en mémoire du héros national à la cathédrale du Centenaire. L'épouse du président honoraire Joseph Kabila a, aux côtés de plusieurs personnalités, participé à ces cultes marquant la commémoration du 19e anniversaire de celui qu'on appelait affectueusement Mouzé. Son combat, son idéologie, sa vision pour le Congo restent à jamais gravés dans la mémoire de tous les Congolais. Après le culte, Marie-Olive Lembe Kabila s'est rendue au mausolée pour orner le sépulcre du soldat du peuple. Mouzé s'en est allé, mais il lègue au Congo un héritage, le nationalisme, salué par Marie-Olive Lembe Kabila. Un grand merci de nous avoir donné ce fils, ce digne fils, Joseph Kabila Kabange, mon époux, le président honoraire de la République démocratique du Congo. Qui, comme vous le savez, a contribué et continue à contribuer pour que la souveraineté du Congo soit respectée. Les Congolais devront s'approprier cette idéologie de Mouzé qui prônait le nationalisme pour le développement de la RDC. Le coronavirus déclaré dans les pays du Nord vient de toucher la République démocratique du Congo. Nous sommes au mois de mars. L'état d'urgence est décrété, les centres des affaires de Kinshasa confinés. Marie-Olive Lembe Kabila, très alerte, comprend vite ce qui attend les personnes les plus vulnérables. Elle brise les tabous de la torpeur et va se présenter comme la première bienfaitrice auprès du comité de riposte que dirige le docteur Muyembe. C'est la toute première à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'Initiative Plus, a offert un lot important des vivres et 400 cures de chloroquine en faveur des malades atteints du Covid-19 à la coordination technique de riposte.
selon les experts. Jusque-là, la chloroquine fait partie du schéma et reste le seul produit susceptible de lutter contre le coronavirus dans sa phase préliminaire. C'est ce qui justifie cet acte de générosité posé par l'épouse de Joseph Kabila. Que tout le monde prenne la situation très 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 au sérieux et que tout le monde fasse des efforts de façon à pouvoir observer la discipline. Aussi, faire appel donc à toute personne de bonne volonté de participer en soutenant la coordination. Une initiative louable, a martelé le docteur Kayembe, responsable de la prise en charge des cas de coronavirus. C'est un geste totalement louable, un geste de solidarité nationale qui mériterait en tout cas d'être suivi. Après le comité de riposte, la présidente de l'ASBL Initiative Plus OLK va étendre son action dans les hommes des vieillards et les orphelinats de la ville-province de Kinshasa. Marie-Olive Lembe Kabila sait lire les signes du temps. Avec une longueur d'avance, elle voit arriver la crise alimentaire conséquente du Covid-19. Elle disponibilise une importante cargaison des vivres pour une œuvre caritative. Requinquée par les contenus de sa gibecière, Marie-Olive Lembe Kabila sort de son confinement de la commune de la Gombe pour aller à la rescousse des personnes vulnérables. Au volant de sa Jeep 4x4, l'épouse de Joseph Kabila Kabangé va faire le tour des hommes des vieillards et orphelinats de la ville de Kinshasa pour une itinérance de bienfaisance. Je veux dire un grand merci à Maman Olive qui a pensé à nos vieillards. Que Dieu la bénisse. Maman Olive, je vous dis sincèrement merci pour votre présence. Quand on m'avait annoncé que vous devez venir nous rendre visite, cela ne m'a pas étonné. J'ai toujours appris que vous êtes très généreuse. Votre statut a changé, mais votre cœur est resté le même. Mama Waroho, Mama Olive Lembe. Non, pas la première fois. Les grandes femmes connaissent l'intérieur et la souffrance.
Le CEMAPAR sera le dernier site sur la liste de l'ONG Initiative Plus à recevoir la visite de sa présidente. Denjili Akimbanseke, en passant par Limete, Kinshasa, Kitambo, Mongafula et Selimbao, Hardy Marie-Olive Lembe Kabila est restée au front du coronavirus en bon citoyen de la République. Consciente du rôle joué par le corps médical pour sauver des vies en cette période cruciale, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus est allée répondre aux cris de détresse de la clinique Ngaliema, secouée dans son fonctionnement par le Covid-19. Une opportunité pour Marie-Olive Lembe Kabila de lancer un appel pressant à toute personne de bonne volonté à répondre à la sollicitation du gouvernement congolais pour la solidarité. Je viens de rejoindre le hall d'entrée de l'hôpital décoré par un beau sapin de Noël et nous poursuivons notre rétrospective de l'année 2020. Attachée au travail de la terre, Marie-Olive Lembe Kabila, dans une démarche pédagogique, a une fois de plus ouvert les portes de la ferme Espoir aux médias. Cela pour encourager les Congolais dans cette carrière. La ferme Espoir ouvre ses portes aux médias pour combattre la folie des prix des produits de première nécessité sur le marché survenue suite à l'annonce du confinement de la ville de Kinshasa. Après le front médical, Marie-Olive Lembe Kabila oriente sa lutte contre la crise alimentaire en maximisant les récoltes des denrées alimentaires disponibles dans la ferme Espoir. En ce 31 mars, qui marque la clôture du mois dédié à la femme, avant de lancer l'activité du jour, l'épouse de Joseph Kabila salue les efforts entrepris par toutes les femmes de la République démocratique du Congo pour garantir la survie de leur famille en cette période de crise sanitaire. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui font ce travail, que j'encourage pour que nos assiettes ne se retrouvent pas vides, sinon nous risquons de tous périr. Le site veille scrupuleusement sur le respect des mesures d'hygiène. Avant la première étape à Kitoko Food, lavage des mains et autres règles sont de mise. Dans cet hangar est cultivé des tomates avec une fréquence de récolte qui intervient 4 fois l'an pour approvisionner les vendeuses des tomates organisées en coopérative. Juste après, la délégation s'est dirigée à plus de 20 km du parc animalier de l'Anselé pour la récolte des feuilles de manioc, un champ à perte de vue qui produit plusieurs diversités. La protection des travailleurs passe comme priorité. La ferme Espoir a pris le soin de sensibiliser la population sur le Covid-19. Face à la situation sanitaire actuelle qui secoue l'économie de la République démocratique du Congo, l'épouse de Joseph Kabila a appelé les autres opérateurs du secteur agricole à un élan de solidarité pour maintenir la disponibilité des denrées alimentaires et stabiliser les prix sur le marché. Les bonnes œuvres ne passent jamais inaperçues. Celles de Marie-Olive Lembe Kabila ont dépassé les frontières, touchant les cœurs du réseau des femmes de l'Afrique francophone, de la Dignité humaine et AGOA. Ces organisations, à l'unisson, ont décidé de lui décerner le trophée de la bravoure, accompagné d'un tableau qui illustre le fardeau de la RDC qu'elle porte. C'est pas par fanatisme, c'est parce que même à l'extérieur, les gens suivent toutes vos actions. D'ailleurs, ce n'est pas venu des femmes de la RDC, ce n'est pas les réseaux RDC qui a pensé. Mais ce sont les autres et nous en avons été touchés. Les actions de Marie-Olive Lembe Kabila ne sont plus à démontrer, a déclaré la ministre d'État, ministre en charge du genre famille et enfants, Béatrice Lemay à Tilité. J'aime bien un concept développé par un compatriote, aimons-nous vivants. Nous devrions effectivement avoir l'habitude d'honorer les nôtres qui se distinguent pendant qu'ils sont vivants, qui est d'attendre juste les moments de témoignage après leur disparition. La première dame honorée est effectivement une femme de cœur
Mama Waro, comme nous l'appelons affectueusement en Swahili. Ému du choix porté sur sa personne, l'ancienne première dame de la RDC a rassuré poursuivre sur cet élan avec l'appui de tous. Je ne me découragerai pas. Nous allons continuer à œuvrer, à travailler dans ce domaine-là pour que la République démocratique du Congo soit servie, que nous puissions, nous les fils et filles de ce pays, manger bio, mais nous avons besoin de l'implication de tout le monde. Je suis à présent dans le laboratoire du CHIP. Laboratoire, la partie microbiologie ou biologie chimie, je ne sais pas très bien, mais il y a quelqu'un à mes côtés qui peut m'aider. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Vous êtes? Je me nomme Firmé Bopé, biologiste médical. Vous êtes biologiste médical, vous travaillez au labo? Je travaille au laboratoire. Et cette partie s'appelle comment? C'est le laboratoire de la biologie clinique. Voilà, vous avez bien suivi, nous sommes dans la partie du laboratoire de la biologie clinique. Parce qu'il y a une autre partie qui s'appelle, M. Bopé? Nous avons encore un laboratoire de microbiologie, nous avons un laboratoire d'anatomopathologie, et celui-ci c'est la biologie clinique. Voilà, donc tous ces départements du laboratoire sont très bien équipés et fonctionnent 24 heures sur 24 pour servir les citoyens habitant ce quartier et pourquoi pas ceux qui viennent du centre de Kinshasa. Nous poursuivons cette rétrospective, mesdames et messieurs, cette fois pour parler de la date du 17 mai. Le 17 mai, date de la libération consacrée désormais au FADC. La Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila et l'ASBEL Initiative Plus ont organisé une journée de sensibilisation contre la COVID-19, une sensibilisation qui a concerné les familles et hommes en armes. Tout s'est déroulé au camp Kokolo. Revivons encore ces moments. La Fondation Mzee Laurent-Désiré Kabila, en partenariat avec l'ASBL Initiative Plus OLK, a organisé les manifestations relatives au lancement des activités de la solidarité 2020 avec nos forces armées et la police nationale congolaise, placée sous le thème « Renforcement du pouvoir socio-économique, amélioration des conditions sanitaires et promotion d'un environnement sain des familles des militaires et des policiers ». Sous les youyous de joie, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président, le raïs Joseph Kabila Kabangé a rehaussé de sa présence la dite manifestation. Tout au début, la prière a été dite. L'honorable Jeannette Kabila a circonscrit le discours, expliqué le sens de la date anniversaire du 17 mai dans l'histoire de la République démocratique du Congo, rendu hommage au président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, au raïs Joseph Kabila Kabangé, à Mzee Laurent-Désiré Kabila, figure emblématique de la révolution du 17 mai, à tous ses compagnons de route, civils et militaires, morts ou vivants. Olive Lembe Kabila s'est adressée avec feu à l'assistance qu'elle a galvanisée. C'était un message rassurant, plein de tonalités patriotiques. Mzee, vous nous avez éduqués à ne pas être naïfs, à ne pas croire que l'autre peut faire mieux que toi-même, pour toi-même. La sensibilisation étant lancée à grande échelle, le modérateur de la manifestation Vital Kato a invité les différents hauts cadres à procéder à la distribution des kits constitués des machines à coudre flambant neuves, des lave-mains en plastique, du savon, des pagnes bariolées aux motifs chatoyants de notre pays, la matière choisie pour la confection des masques locaux, à usage individuel contre la contamination au coronavirus. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes? Je suis technicien. Je m'appelle Papi Mayamba. Monsieur Papi Mayamba, vous êtes technicien ici depuis l'inauguration du CHIP. Comment le travail se passe ici? Et le travail se passe bien. Nous recevons beaucoup de malades. Et pour différents examens. Donc, quelle influence pour les scanners? Parce que ici nous sommes dans la salle des scanners, c'est ça? Effectivement. Oui, vous recevez quelle influence?
En tout cas, nous recevons par exemple 15 à 20 examens par jour. 15 à 20 examens par jour? Oui, oui. Ah bon, c'est beaucoup, non? Tout à fait. Et pourquoi vous pensez que les gens viennent ici? C'est parce que justement, nous avons le prix est abordable. Les prix les plus bas de Kinshasa du scanner. Merci beaucoup, M. Padi. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans la salle du scanner du Centre hospitalier Initiative Plus, le CHIP. Le CHIP a été inauguré le 30 juin 2020. Je voudrais vous proposer de revenir sur la grande cérémonie d'inauguration qui s'est passée ici même. La coupure de ce ruban par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba marque la fin d'un parcours de longue haleine. Que cette œuvre soit durable, nous te prions pour tous les malades qui viendront ici, qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps. Après avoir été béni par Mgr Laurent Mosengo, le Centre hospitalier Initiative Plus ouvre ses portes aux différentes personnalités pour une visite guidée. De la réception à la maternité, les visiteurs, avec en tête la présidente de l'ASBL Initiative Plus, ont apprécié la modernité de cette infrastructure hospitalière. Aujourd'hui, nous avons un centre hospitalier qui a les équipements les plus modernes. Ceux qui vont à l'étranger, s'ils visitent ce centre hospitalier, ils verront qu'il y a tous les équipements qu'ils voient dans les pays occidentaux. Le docteur Jem Talaja, coordonnateur de cet hôpital, précise que cette formation hospitalière offre les soins à des prix abordables. Le centre hospitalier Initiative Plus est un centre hospitalier organisé autour des besoins des patients avec une convergence tarifaire. À titre d'exemple, les consultations générales sont aux alentours de 7000 francs et un scanner coûte aux alentours de 80$. L'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus, ayant coïncidé avec le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la fête s'est poursuivie à Kingakati en présence du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Tiens, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe là? Nous partons servir des malades. Vous allez servir, c'est le repas des malades? Oui, c'est le repas du soir. Les repas du soir, oui. Donc il y en a encore le matin? Nous servons 3 fois par jour, matin, midi, soir. Pour les malades hospitalisés. Oui. Et cela se passe comme ça tous les jours? Tous les jours, oui. Merci beaucoup. Merci. Bon merci. Boulot. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre rétrospective. Cette fois, nous voulons vous parler de la campagne médicale, la 11e, qui s'est déroulée dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ce après Kinshasa, le Maniema, le Katanga, le Sud Kivu, la ville de Goma a reçu en 2020 la 11e campagne médicale gratuite en faveur des enfants souffrant d'hydrocéphalie et spina bifida. C'est à la vitesse d'un éclair que les interventions chirurgicales ont débuté ce lundi. 19 médecins s'y affairent. Ces enfants mal formés, on en compte une centaine ici à Goma. Celui-ci n'a que 4 ans. Il souffre de l'hydrocéphalie. Après ses premiers soins par les infirmiers, on le retrouve ici au bloc opératoire. Des interventions chirurgicales coûtent extrêmement cher. Mais grâce au soutien financier et matériel de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, la prise en charge est gratuite. Pour sauver des vies, la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila ne lésine pas sur les moyens. Les précédentes campagnes médicales gratuites ont permis de soigner 988 enfants, toujours grâce au sens élevé d'amour du prochain qu'incarne celle qu'on appelle affectueusement Maman Olive. C'est l'acte final de cette campagne médicale gratuite. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBL Initiative Plus, à ses côtés, le gouverneur de la province du Nord Kivu rend visite aux tout petits récemment opérés des malformations congénitales. Bien,
Cette 11e campagne, comme les précédentes, a été financée par cette dame au cœur d'or, Marie-Olive Lembe Kabila. Elle a permis ici à Goma de traiter 50 enfants souffrant de diverses pathologies. Hydrocéphalie, spina bifida et autres minigocèles, les parents des malades qui ont en plus reçu des pagnes, des couvertures et une enveloppe conséquente, portent très haut celle qu'on appelle « maman ni maman ». Je suis contente pour l'acte que maman Olive Lembe vient de faire et pour nos enfants. Vraiment que Dieu nous bénisse et qu'il nous augmente un long vie. Je suis salade. Des figures qui rayonnent, les yeux pétillants. Une scène qui réconforte Marie-Olive Lembe Kabila qui a déjà aidé à sauver 1028 cas au total depuis le début de cette initiative. Nous sommes une ONG, initiative plus comme vous le savez. D'autant plus que Dieu nous prêtera la grâce du souffle de vie. Nous allons continuer à mobiliser les consciences de ceux qui ont ce cœur de compassion pour assister les démunis qui n'arrivent pas à se prendre en charge, surtout pour des questions aussi délicates de santé comme des cas que vous avez vous-même vu. 19 médecins, tous des Congolais, venus de différentes provinces, même de l'Ouganda voisin, y ont participé. Tout travail bien fait mérite satisfaction. Le dîner offert par Marie-Olive Lembe Kabila à toute l'équipe dans ce cadre somptueux Goma Serena Hotel rappellera toujours des vies précieuses sauvées. Le CHIP accorde une grande importance à la détente des malades. C'est pourquoi l'hôpital a réservé cet espace, ce jardin, pour que les patients qui ont la capacité de s'émouvoir puissent prendre de l'air ici. Et donc, nous poursuivons. Après la ville de Goma, nous venions de vous parler de la campagne médicale de Goma. Après la ville de Goma, donc, Marie-Olive Lembe Kabila a mis le cap sur la province du Sud Kivu pour une itinérance humanitaire. Précédée par sa renommée, c'est à bras ouverts que les Congolais de partout où elle est passée l'ont accueillie avec une euphorie. Nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, de suivre ces images qui se passent de tout commentaire. Du jamais vu, un accueil qui débute sur le lac Kivu. Le bateau transportant Marie-Olive Lembe Kabila est, comme on le voit à travers ces images, escorté par des sympathisants qui n'ont pas attendu qu'il n'accoste, tellement la joie est en son comble. En provenance de Goma, dans le Nord Kivu, elle s'y est rendue pour des actions humanitaires. Cette étape de Bukavu dans le Sud Kivu augure une ambiance particulière, tellement l'accueil est inédit. Kama jamaa ninawasalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu. Jambo yenu. Joseph Kabila Kabange kwa roho moja. Azima jambo.
dans les couloirs de l'hospitalisation du CHIP, donc moins de bruit. Je vais baisser un tout petit peu ma voix pour poursuivre cette rétrospective. Après ces images de l'euphorie de l'accueil, mesdames et messieurs, tenez, durant près de 2 semaines, Marie-Olive Lembe Kabila, au volant de son 4x4, a parcouru près de 700 km des routes pour tendre la main aux vulnérables dans le Congo profond. Je voudrais vous proposer ici de regarder ces images d'une route qui n'a pas été du tout facile. Nous sommes sur la nationale numéro 2 entre Bukavu et Kamituga, où la route est en très mauvais état et nous la pratiquons pour les biens du Congo. Maman Olive fait ceci pour le bien de ses compatriotes. C'est une vraie patriote qui aime son pays. Bravo maman. Je suis dans ce qu'on appelle ici les chambres privées ou chambres individuelles pour les patients qui le désirent. Un lit, une télé, une salle de bain. Pour rentrer dans notre rétrospective, nous sommes, mesdames et messieurs, dans la province du Sud Kivu, où Marie-Olive Lembe Kabila a effectué une itinérance humanitaire qui avait pour objectif principal aller apporter les réconforts moraux aux familles des victimes de l'éboulement de la mine d'or de Kamituga. Jean-Pierre Kayembe va nous faire revivre ces moments pathétiques qui partent des Makobola, Kasika, Mwenga jusqu'à Kamituga. Suivez plutôt. C'est l'un des massacres les plus meurtriers de l'histoire récente du Congo. Derrière ces calmes apparents se cache un passé traumatisant dont certains peinent encore à se défaire. Il y a 22 ans, des rebelles du RCD et leurs alliés étrangers signaient une expédition punitive ici dans ces villages paisibles de Kasika, dans la chefferie de Lundi, à quelques 130 km de Bukavu. La tragédie coûtera la vie à plus de milliers de personnes, parmi lesquelles le moine François Mubeza III et son épouse, enceinte des jumeaux, qui sera malheureusement éventrée. Près de 2 décennies après ce drame, la blessure des charniers est encore vive. Des passages dans la région lors de son itinérance humanitaire, Marie-Olive Lembe Kabila partage la douleur avec les familles des victimes. Compatissante, l'épouse de Joseph Kabila s'est recueillie dans la douleur sur les lieux où ses innocents ont été inhumés. Refusant qu'aucune page de ce passé sombre ne soit déchirée, la femme des cœurs a posé la première pierre pour les travaux de construction des mausolées, à la grande satisfaction des habitants qui n'attendaient que leur mort soit honorée. Jamais un sans deux. Après Kasika, le cortège d'Olive Lembe Kabila débarque à Mwenga, une autre cité fantôme. En 1999, des femmes ont été enterrées vivantes ici, suscitant colère et condamnation. Après son meeting devant des milliers de personnes, Olive Lembe Kabila, inconsolable, s'est rendue au mausolée
pour honorer la mémoire des victimes. La douleur se ravive, c'est de nouveau le deuil. Les témoignages des familles des victimes glacent le sang, l'émotion étant son comble, difficile de résister. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu une nièce et une tante. Je suis un peu plus jeune. Maman n'a qu'à couper un boléza. Je n'ai mou de tango 1999. M'paka saï. Ni amara kwanza. Pour que couper un boléza, la tika chide. La tuna choukou san. La mouga moubariki san. La tuko nyuma kwanza. Ifi. Ina kumbusha. Benye tu lionaka. Marie-Olive Lembe Kabila est la première personnalité des hauts rangs à venir essuyer les larmes qui coulent encore ici. Après une nuit difficile passée à Mwenga, ni la fatigue, encore moins les taboués de la route, n'ont eu raison sur la détermination de la présidente de la SBL Initiative Plus qui tenait à arriver à Kamituga. Portée en triomphe par les habitants venus à masse pour l'accueillir, l'épouse de Joseph Kabila ira sans transition visiter les lieux où des creuseurs artisanaux ont été ensevelis quelques jours plus tôt dans une mine d'or. Un fort moment d'émotion. Que ce soit ici ou au cimetière, Olive Lembe console les familles et prie pour le repos des disparus sous le regard enthousiasmé de la population qui n'a cessé d'accompagner le cortège. Le lendemain, tout Kamituga prendra rendez-vous à l'esplanade de la paroisse Saint-François-Xavier pour une messe de requiem, 40 jours après le sinistre. Après la célébration eucharistique, toutes les familles des victimes recevront demain des Marie-Olive Lembe Kabila des présents, dont des pagnes, couvertures, kits scolaires et une enveloppe, de quoi repartir à zéro. Comme pour dire que c'est dans le malheur qu'on reconnaît des bons amis. Nous sommes à la maternité. C'est ici, précisément là, que commence la vie. Les tout petits, les enfants, ont une place de choix dans le cœur de Marie-Olive Lembe Kabila, qui, durant son séjour dans le Sud Kivu, a procédé à la remise des kits scolaires. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, à plus de 7000 enfants du degré élémentaire de l'enseignement primaire et secondaire. Revivez ces images. Nous sommes à la néonate. Je suis entourée par des tables chauffantes qui reçoivent les tout petits, les bébés nouveau-nés qui ont des problèmes, même ceux qui n'en ont pas, pour garder juste un peu la température du ventre de leur maman. Et là, il y a une couveuse. La couveuse a fait partie du don que Marie-Olive Lembe Kabila a remis toujours durant son itinérance humanitaire dans le Sud Kivu. Il y avait notamment des couveuses, il y avait également des radios, il y avait des lits d'opération et des lits d'accouchement. Fezanika nous fait un condensé sur cette remise des dons. À
Alors que Marie-Olive Lembe Kabila conduisait une grande mission humanitaire qui avait comme clou Kamituga dans le Sud Kivu, elle s'est révélée en femme providentielle pour beaucoup des territoires du Congo profond. Son dévouement et son attention pour ses prochains l'ont ainsi conduit dans plusieurs hôpitaux pendant qu'elle était en itinérance vers Kamituga. Dans sa gibecière, une literie complète, des produits pharmaceutiques, des appareils de radiographie moderne, des couveuses et d'autres matériels pouvant répondre aux besoins criants sanitaires dans cette partie du pays. La première étape l'a emmenée à Katana, où elle a répondu aux cris des détresses des malades qui avaient du mal à épurer leurs dettes, pour qui elle a payé une grosse somme pour leur liberté. À Mwenga Centre, c'est ici que l'épouse de Joseph Kabila va encore arrêter sa caravane humanitaire pour réconforter les malades et apporter son appui constitué d'un lot important des produits pharmaceutiques, un appareil moderne de radiographie ainsi que deux lits pour la salle d'opération. C'est un don qui touche les cœurs des bénéficiaires. La ville de Kamituga, la présidente de l'ASBL Initiative Plus, va également étendre sa main de bienfaisance envers l'hôpital général de référence, longtemps resté dans les oubliettes. Le passage de Marie-Olive Lembe Kabila dans ce centre hospitalier est une aubaine. Dans ce centre hospitalier de Nyamibungu, le seul du coin qui prend en charge toute la population, les conditions d'hospitalisation laissées à désirer, Marie-Olive Lembe Kabila va remuer dans sa cargaison pour doter cet hôpital d'une literie adéquate des produits pharmaceutiques. Éblouie par l'endurance de l'épouse de Joseph Kabila, qui a parcouru des centaines de kilomètres pour atteindre ce village, l'administrateur général de la zone de santé de Kamituga va prononcer des paroles de bénédiction. Et nous ne pouvons pas nous passer de l'occasion pour dire gloire à notre Dieu et félicitations à votre si grand travail que vous abattez pour la cause. La santé étant l'un des axes prioritaires de Marie-Olive Lembe Kabila, elle posera le même geste lors de son chemin de retour vers Bukavu dans l'hôpital général de Kaziba. Sa visite dans ce centre hospitalier a consolé la population. Femme des cœurs, sensible aux cris des détresses de la population, quelques mois après son passage à Kaziba, elle va tenir sa promesse. Lors de son retour dans le Sud Kivu, au cours d'une sobre cérémonie, elle a remis un autoclave à l'hôpital général de Kaziba. Tous ces dons est une preuve de l'attention particulière de Marie-Olive Lembe Kabila envers la population. Toujours dans le Sud Kivu, Marie-Olive Lembe Kabila s'est rendue à Calais pour honorer la mémoire d'un soldat, le général Delphin Kaimbi. C'est un jour de joie et de consolation dans cette cité paisible, mais devenue fantôme depuis la mort brutale d'un de ses dignes ressortissants, le général Delphin Kaimbi. C'est pour apporter réconfort à sa famille et à ses proches que Marie-Olive Lembe Kabila, qui revenait de Bukavu à destination de Goma, a fait escale ici, dans le village de Kanyuzere, fief du regretté général. Aussitôt arrivée, l'épouse de Joseph Kabila est directement prise en charge par une foule compacte massée le long du lac. Pareille ambiance ne s'était plus produite ici. Hommes, femmes et enfants ont déserté école et champs pour accueillir Olive Lembe Kabila, qu'ils accompagneront sous bonne escorte jusqu'au lieu prévu pour le meeting. Prenant la parole après différentes notabilités locales, dont des députés, Marie-Olive Lembe s'est fait le devoir de transmettre à l'assistance les attentions chaleureuses de son époux ainsi que sa compassion à la suite du décès dans les circonstances toujours mystérieuses du général Delphin Kaimbi. Pour Olive Lembe, l'ancien patron de la DEMIAP n'était pas que militaire, mais Kaimbi, dit-elle, était surtout un vrai nationaliste qui a suivi les traces de Moïse Laurent-Désiré Kabila. On connaît les bons amis pendant les moments des douleurs et Olive Lembe Kabila l'a été pour ses habitants de Kaleye, à qui il a prêché l'amour et le pardon. Tunakuja na sisi, tukamwekee maua,
ya ku témoigner pour jama yake na ku témoigner esprit yake ku témoigner kwa watoto wake ya kwamba atuta msaa waka katika maisha yetu hata siku moja. Juste après ce message à la foule, Marie-Olive Lembe a été conduite au mausolée où repose pour l'éternité Delphin Kayimbi. Inconsolable, c'est avec larmes aux yeux qu'elle s'incline sur la tombe et y dépose sa gerbe de fleurs, un moment d'intense émotion à laquelle Olive Lembe ne résistait pas. Pour tout calayer, la visite d'Olive Lembe à Kanyenzere est perçue comme un soulagement pour une communauté qui se sent abandonnée, tant l'épouse de Joseph Kabila est la première haute personnalité du pays à venir s'incliner sur le mausolée du général disparu. Répondant à l'invitation des autorités de l'ECC, Marie-Olive Lembe Kabila à Bukavu a participé à l'installation du nouveau comité provincial de l'ECC Sud Kivu. C'était il y a exactement près de 2 mois, alors qu'elle était en tournée humanitaire, Marie-Olive Lembe Kabila recevait cette invitation des mains du professeur Lévi Ngangoura au cours d'un culte dominical à Kaziba. Étant une femme de parole, l'épouse de Joseph Kabila est revenue dans le sud Kivu pour honorer l'église du Christ au Congo. Ce dimanche 13 décembre, à la paroisse ECC Sayuni de Kadutu, la présidente de l'ESBEL Initiative Plus, aux côtés des dignitaires du sud Kivu, personnalités politiques et autres invités, a pris part à ces cultes d'installation du président et vice-président de l'ECC sud Kivu. C'est une cérémonie haute en couleur, marquée par plusieurs moments forts. Des allocutions des évêques, prestations des chorales, puis le moment tant attendu, l'installation des Lévi Ngangoura et Jacques Mundjo, respectivement président et vice-président de l'ECC Sud Kivu. Ce nouveau comité a promis de travailler pour la restauration de la paix dans cette partie du pays et l'amélioration de la situation sociale de la population. Au moment de la remise des cadeaux, Marie-Olive Lembe Kabila a félicité ses nouveaux comités dirigeants en remettant un véhicule 4x4 ainsi que d'autres présents en vue de faciliter à ses évêques à accomplir leurs tâches. Le déplacement de Marie-Olive Lembe Kabila de Kinshasa vers le sud Kivu est une marque de considération pour ses autorités de l'église protestante. Nous sommes très contents d'avoir été honorés par la première dame honorée et nous sommes vraiment bien satisfaits. Nous sommes dans la banque 200. Ces fauteuils sur lesquels je suis installée, Marie-Olive Lembe Kabila l'a occupé les dimanches 6 décembre 2020 pour lancer la campagne de la collecte de dons du sang. Ce, dans le souci de répondre aux besoins du centre hospitalier Initiative Plus ainsi que de la zone de santé de l'Ancelé. La commune de Lancelé a offert son cadre pour le lancement de la campagne de collecte de dons bénévoles de sang initiée par le centre hospitalier Initiative Plus sous le thème « Sans donner, vie sauvée ». Concernées, les personnes dont l'âge varie, entre 18 et 65 ans, non diabétiques, les non cardiopathes, Marie-Olive Lembe Kabila, éligible aux critères, s'est offert à cet exercice pour donner de son sang afin de sauver des vies. Plus de 500 poches de sang ont été collectées grâce à l'appel de l'épouse de l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangé. Tous les jours qui passent, des millions de personnes ont besoin de sang contrôlé. En prenant quelques minutes pour effectuer ce geste, vous avez sauvé des vies humaines. Par la suite, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus a remercié les notabilités et les forces vives venues soutenir ce geste de cœur avant d'appeler la population congolaise et les leaders politiques à dire non à toutes les velléités de balkanisation. Nous avons besoin de vivre en paix. Nous n'avons pas besoin de toutes les guerres
infertiles qui ne servent à rien pour le bien-être de la population congolaise. La journée de Marie-Olive Nobe Kabila s'est clôturée à la cité portant son nom, où le docteur Ntalaja a présenté les patients venus de Goma pour des soins appropriés à Kinshasa après la campagne médicale gratuite du Nord Kivu. Ses familles ont remercié leur bienfaitrice qui a pris soin d'eux sur tous les plans. 2020 qui s'en est allé nous a volé la vie de Sarah Fanny Da Cruz. Elle nous a quittés dans l'hiver marocain le 15 décembre 2020. Nous lui dédions cette rétrospective. Non, je sais pas. C'est magnifique. C'est naturel. C'est non. C'est en fin d'après-midi du mardi 15 décembre 2020 que la nouvelle est tombée comme une foudre terrassant tout sur son passage. Sarah Fanny Da Cruz, célèbre journaliste présentatrice phare du journal télévisé des Digital Congo, est décédée. Elle est morte à Rabat au Maroc, où elle était partie pour des soins médicaux. La toile s'enflamme, c'est le moi. La tristesse. Ses proches pensent vivre un cauchemar et c'est en début d'après-midi du samedi 19 décembre 2020 que la réalité s'imposera en fait avec l'arrivée de la dépouille par un régulier des Turkish Airlines à l'aéroport international d'Incirlik. Direction la morgue de l'hôpital du cinquantenaire où l'attendait tout un monde éploré. Les instants sont tristes, que des pleurs, des cris et des larmes. La douleur est indescriptible. Le mercredi 23 décembre 2020, après une pluie violente sur la capitale Kinshasa, un avant-midi plus ou moins calme s'impose. Nous vivons les derniers hommages avant la levée du corps. Personne ne veut rater ces instants d'au revoir. La distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, première dame honoraire, présidente de l'OLK, Initiative Plus, ne pouvait rater cette occasion. Venir rendre hommage les tout derniers à celle qu'elle considérait comme sa fille. Maman, comme aimait bien l'appeler Sarah de son vivant, est très affectée. Difficile de contenir ses larmes. La levée du corps intervient toujours sous les cris et pleurs de l'assistance. Sarah Fanny Lopa Da Cruz est conduite vers sa dernière demeure au cimetière Nécropole, entre ciel et terre. La maman de Sydney, son unique enfant, sera portée en terre dans une ambiance éplorée. Un talent que la télévision congolaise ainsi que les téléspectateurs regretteront pendant longtemps. Nous continuerons à aimer Sarah Fanny Da Cruz à travers sa fille, Sydney Mbuyulembe, à travers son travail, un travail finalement immortel. Ce reportage que vous avez suivi au cours de cette rétrospective de l'année 2020. Nous disons adieu à Sarah Fanny Da Cruz. Bien, mesdames et messieurs, cette rétrospective que nous avons voulu vous présenter au sein de l'hôpital de l'ASBL Initiative Plus, le CHIP, est arrivé à sa fin et j'ai été rejoint sur mon plateau par Madame Laurence Kibangu, qui est l'AG de cet hôpital. Bonsoir Laurence. Bonsoir Maman AG. Quelles sont les perspectives de l'hôpital qui a commencé à fonctionner avec vous depuis le 30 juin 2020 ? Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2021. Des nouvelles perspectives après 6 mois ? Bien sûr, nous avons beaucoup de projets. Nous remercions d'abord la population qui nous accepte et aussi nous remercions Maman Olive pour cette œuvre magnifique qui contribue à aider la population dans les soins. Et dans les perspectives, comme nous avions dit, nous avons eu d'abord au départ, depuis le mois de juin jusqu'aujourd'hui, nous avons eu une très forte fréquentation et nous avons réalisé beaucoup de grandes interventions que certaines personnes ne pouvaient pas payer. Et par l'œuvre de maman, on l'a fait. Et dans les jours à venir, nous allons commencer avec les examens sur l'IRM. Et déjà que nous faisons des scanners, nous allons faire les IRM.
Nous aurons bientôt, d'ici quelques jours, des appareils de dialyse. Nous allons réaliser les dialyses ici et nous ferons aussi toutes les scopies. Et nous allons faire aussi le cathétérisme cardiaque. Les appareils sont déjà presque arrivés et les techniciens sont là. Le personnel est déjà formé, toujours à faible coût, pour permettre que tout le monde se fasse soigner, tout le monde se fasse bien examiner et qu'on diagnostique les pathologies dans le temps et comme il le faut pour adhérer à des soins, à des bons traitements selon la pathologie du patient. Merci beaucoup, Madame Laurence Tibangou, âgée du CHIP. Merci pour ce travail qui est abattu et que vous ne faites pas seule, évidemment sous la coupe du docteur Jeff Talaja, qui est le médecin directeur jusqu'aujourd'hui de cet hôpital qui a commencé un peu plus tôt avant les 30 juin et il conduit des mains de maître ce travail qui s'abat ici tous les jours au service des citoyens, des gagne-petits. Tout le monde trouve son compte dans cet hôpital dont de la présidente de l'ONG Initiative Plus Marie-Olive Lembe Kabila. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette rétrospective de l'année 2020 consacrée aux activités de la SBEL Initiative Plus. Au nom de cette grande équipe qui m'a accompagnée, au nom de toute cette équipe, mesdames et messieurs, je vous dis merci pour votre fidélité et votre attention. À très bientôt. Ili kwa ajili yako mama Olive Lembe. Kama zuri unazidi kutenda. Tunakushukuru sana. Et puis on coupe parce que je suis perdue. Ah, qui? Tiens, tiens, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? La province du Nord Kivu a reçu en 2020 la campagne médicale contre les spina bifida et l'hydrocéphalie. Ceux qui ne veulent pas bien sûr partager les chats, les salles connues. J'avais dit quoi, Dan? Je n'ai pas dit ceci, il n'y avait pas le verbe ceci. Allons-y.